Yo, yo, yigriyo, une journée en français. Yo, yo, yigriyo, une journée en français. Bonjour les amis, j'ai juste réveillé. Je me suis juste réveillée. Et j'ai bois mon café matinal. Hier soir, je me suis dormie avec toutes les lumières allumées dans ma chambre. J'étais tellement fatiguée parce que cette semaine, c'est une grosse semaine. J'ai travaillé sur pas mal de projets au métier. Aujourd'hui, c'est la sacrée journée ciné-club où on va faire l'expérience Maladie de bonheur. Je vous ai dit, il y a une femme à sa fenêtre et je porte pas de pantalon maintenant, donc je vais peut-être bouger. Alors oui, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé à propos de les nouveaux ciné-clubs qu'on fait à mon atelier. Et du coup, le premier film, c'est La Mélodie des Bonheurs, mais d'abord, on va faire une petite performance avant-garde. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. Il y a deux garçons qui ont fait en école d'art aussi, qui voulaient participer. Donc à 17h, ils vont passer à mon atelier. Je pense qu'on va essayer d'improviser quelque chose avec le vêtement, avec la musique et tout. Donc je pense que ça va être sympa. Je vais essayer de le filmer. Et je me suis dit que je pouvais vous emmener avec moi avec un journée un peu slow living. Je pense que je vais essayer de faire ça, une série sur ma chaîne, une fois par mois. Je vais sortir une vidéo qui est uniquement en français. Je pense que ça peut être cool de vous montrer les vies à la française, lente. Je suis vraiment chanceuse de vivre ici en tant qu'américaine. Et oh fuck, these motherfucking sirens. I'm like, I feel so lucky to live here. And then the sirens are like, wee wee wee. I live next to a hospital, so shut the fuck up. Are you guys done? I'm trying to do an aesthetic vlog here. Bref, je disais. C'est vrai que c'est assez particulier comme rythme de vie et je me sens chanceuse parce que en tant qu'artiste, je peux vraiment. En France, on est vraiment respecté et il y a tellement de dispositifs qui sont à notre disposition. Et comme je suis auto-entrepreneur, même si je travaille beaucoup, c'est moi qui décide le rythme de mes journées. Et je dois vivre en France. Vive la France! So. Alors, petit déj, et puis je vais vous emmener avec moi pour une journée en français. Dirty ass mirror, come on! Alors, voilà la tenue du jour, c'est assez décontracté. Mais j'ai regardé l'interview avec Meghan et Harry hier soir. Du coup, j'ai mis mon pull Princess Diana pour soutenir, tu vois. Je pense que je vais aussi manger un peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai pas trop faim. Et tout ce que j'ai ici, c'est l'avoine et j'ai pas trop envie de le manger. Du coup, on prend croissant sur la route, quelque chose comme ça. Et c'est parti. Là là, le luxe, le grand luxe, c'est la censure. Même si on habite dans une chambre de bonne.
printemps arrive. Donc voilà, je viens d'arriver et quand j'arrive, ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu de sport, mais pour moi, c'est plutôt les danses un peu, je vais mettre un peu de musique. Et puis là, j'aime bien faire quelque chose qui n'est pas axé sur l'ordinateur parce que normalement, dans la soirée, je vais éditer assez tard et donc en fait, mes yeux deviennent un peu fatigués après un bout de moment. Du coup, je vais faire de la plantière ce matin. J'adore, c'est vraiment, c'est quelque chose que quand j'arrive dans le matin, ça m'apaise tellement. I might switch back to English every once and again just because, yeah, I like being able to also just connect with you guys in my mother tongue. And sometimes things hit like a little different in English. And just to give myself a little break with the subtitles, but I'm also working on this really freaking cool installation for my diploma show. You guys know that painting that I was working on called Oranges in the Snow? What am I talking about working on? It's been finished for a minute. Je me suis dit que pour mon diplôme, je peux faire une installation gigantesque avec le fausse neige, avec plein de panneaux neige et avec le sculpture des oranges gigantesques aussi, un peu inspiré par ces peintures, et faire une performance là-dedans dans ce monde des neiges avec les oranges et voilà, parce que j'aime bien le contraste entre quelque chose de très doux comme du fruit et quelque chose de très froid, glacial comme du neige, et je pense que je peux faire une performance assez ludique et intéressante là-dedans in this little world that I'm going to try and create. So I'll show you guys, because I'm actually, what I'm doing is I'm painting like a bunch of different cardboard slabs white. And a lot of people discount using cardboard as material because it's like, parce que c'est très pauvre comme matériau, mais en fait c'est très très versatile. You can stock it really easily, and once you paint it, it looks like wood. So don't be hating on cardboard, baby. It's gonna be cool. Okay, let's paint. Let's dance. I'm happy to be alive. Aujourd'hui va être une super belle journée. Viens grand. Oh, allez. Alors, regarde ce qui est venu par la poste aujourd'hui. Alors, ça c'est un proof pour mon livre de poésie. Et en fait, avant que vous publiez un livre, il vous envoie plusieurs petits proofs. Par exemple, si tu avais besoin de faire un changement, et tu as envie de vérifier les mises en page, les illustrations et tout. Aujourd'hui, je vais regarder et être sûre qu'il n'y a pas de faute d'autographe. Et si tout se passe bien par la fin de mars,
ça va être publié, donc je suis trop contente. Aussi, j'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé comment faire, si vous voulez l'acheter, etc. Mais vous inquiétez pas, parce qu'à partir du moment où c'est exactement comme je le veux, je vais sûrement faire une vidéo qui annonce que mon livre est sorti, et comme ça, vous pouvez l'acheter si vous voulez. I will keep you guys posted, but I'm super happy with the results so far, especially because I've done all of the illustrations and just to see like how they look with the poems themselves. It's very encouraging. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir plein de panneaux comme ça, de montagnes de neige à différents niveaux. Et puis de loin, on va avoir une petite maison. Donc c'est un peu la logique d'une pièce de théâtre, parce que de loin, ça va vraiment aller comme des vraies neiges. Et aussi, je pense que je vais emprunter une machine qui va faire la fausse neige et faire les différents matériaux par terre. Voilà, donc je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert et ne pas dire oh, je peux pas faire ci ou ça parce que j'ai pas le matos de faire, parce que ça va coûter trop cher. Parce qu'en fait, surtout avec des théâtres et des installations, il y a tellement de différents matériaux qu'on peut agencer pour faire l'effet qu'on a envie de faire. Comme vous pouvez le voir souvent quand je fais des petites maquettes et tout, il faut juste être un peu créative et ne pas se fermer, voilà, donc je vais prendre le reste. C'était bon le nourriture. C'était magnifique. Et ça c'est quoi? C'est du bisap. C'est quoi? C'est du bisap. Ouh. Tu bois une gorgée de ça et t'as l'énergie pour 3 semaines. Alors là, il est 14h30, j'ai pris un petit pause pour manger avec des amis qui sont aussi en résidence ici. Sinon, ce qui est sympa dans la semaine, c'est qu'on va faire le repas en commune. Du coup, aujourd'hui, c'était du riz avec des légumes. Et puis, on a mangé tous ensemble et puis on allait prendre un petit café sur la terrasse. Et c'est sympa parce que ça donne un petit souffle de vie et puis on a l'impression que le pause c'était bien utilisé et comme ça quand on finit avec le pause on peut retourner travailler sans trop se puiser, sans trop se sentir comme on fait que bosser tout le temps, tu vois. Non, c'est pas très grave, c'est fait pour ça. Le temps d'éditer, c'était fait pour ça. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est je prends mon livre, le proof qu'ils m'ont envoyé, et je regarde juste s'il y a des petites erreurs d'orthographe ou bien, par exemple, avec les illustrations, je dois être absolument sûre que c'est la bonne position et tout, parce qu'une fois que je le mets en ligne et c'est publié, je peux pas changer, sauf si j'ai fait une nouvelle édition.
Du coup, c'est juste pour vérifier que tout allait bien. J'ai déjà eu deux copies parce que la première c'était les pages blanches et je peux faire quand même les pages en crème. Et c'est vrai que des fois ça peut être un peu fastidieux, mais il faut savoir que il faut être patient quoi. Parce que, comme j'ai dit, une fois qu'on met dans le monde, on peut pas vraiment le rétracter. Du coup, je peux faire juste que ce soit les meilleures versions que ça peut être pour vous. Comme ça, c'est plus un plaisir de les lire. Alors voilà, j'ai trouvé quelques petits trucs que je vais être obligée de modifier. Mais sinon, c'était presque juste comme je le voulais. Donc, je suis plutôt contente. So on that note, before we get into the rest of today's video, I want to give a shout out to today's video sponsor, Lingoda. So as you guys know, I love working with Lingoda. I've worked with them many, many, many times in the past because I love their method of teaching, which focuses on getting fluent fast by speaking to native qualified teachers. Lingoda offers classes 24/7 from anywhere in the world. They have classes in English, French, German, just to name a few. I think if you guys are watching this video, you might be interested in the French section. And what's really cool about it is you get to practice speaking, like I said, with native teachers about things that actually interest you. So, you know, I think that a lot of the conversations and things like that I'm exposing you to in this vlog aren't things that you're going to learn in a traditional sit-down French class, but if you're actually talking to native speakers and learn that way, I think that you're going to end up soaking in a lot more. So if you are a college student like me, you might be on a tight budget, but Lingoda makes it really affordable and even offers 100% cashback refund if you finish all of their classes. So there's a sprint, which is taking 15 classes a month for 3 months in a row. If you finish that, you get a 50% refund. Or you can do the super sprint, which is 30 classes a month for 3 months in a row, and if you complete that, you get a 100% cashback refund. The next sprint starts on the 28th of April 2021, and the deadline to sign up is the 16th of April. So if you do really want to get serious about getting fluent in a language, I would highly recommend it. You have to pay a 49 euro deposit because places are limited, but if you use this code, you get 10 euros off that deposit. All of the rules and events details are listed on the Lingoda website, which of course I'll be linking down below. Without further ado, let's get back to today's video. Ah non, ferme tes yeux pour voir. Et toi, t'es tenue? Fais voir. Oh, génial. So as I was telling you guys before, we decided to do like a little performance before the movie screening, and we came up with it like, I don't know, like 30 minutes before before the screening. So it was just like a fun little performance, but we decided that the idea was going to be like this guy is having a picnic alone in the hills, and this black cloud comes and makes him really sad, and he's all alone. And then the same kind of spirit comes and offers him fruit, and then they end up having like a nice picnic together, and Pablo, the guy on the left, is playing on his synthesizer music from The Sound of Music, and they end up having like a nice picnic together and sharing food, and it kind of goes along with the theme of The Sound of Music, which is how music can bring people together and community, and it was really fun to get dressed up and do that. So hopefully we'll do more. Thank you.
suis arrivée chez moi, c'est 22h30, presque 23h. C'était une journée très très chargée. À la performance, c'est bien passé, c'était vraiment marrant. On s'est déguisé, mis du maquillage. Et puis je me suis dit que peut-être, comme les films, il fait 3h, que ça va décourager les gens, mais en fin de compte, pas mal de gens, ils ont resté jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai dit avec mon ami qu'on se sent chanceux, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe avec Covid, le couvre-feu et tout, d'avoir une petite communauté comme ça. Donc je suis hyper reconnaissante de ça et je reconnais que j'ai un certain privilège là-dedans. Mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager ces aventures avec vous. Et peut-être si vous êtes seul en ce moment, vous pouvez sentir que vous êtes un peu moins seul et qu'on passe nos journées un peu ensemble en France. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin, laissez-moi un commentaire avec les phrases, la mélodie. No, that's a little too hard. leave me a comment that says it's like almost 12 p.m, so I'm getting tired. Glitter sisters. And again, let me know if you guys enjoy these almost all French videos, and I'll try to make like a series out of it. And yeah, I hope you guys enjoyed getting to see a little peek into my life lately, and just like the simple pleasures of slow living, painting, enjoying, you know, the first signs of spring, sun. I'm not like, I'm like not ending this video. Okay, I gotta go to sleep and get this shit off my face. Okay, love you, bye. What was that? Love you, and I'll see you in the next video. Bye.